Donc, ma question est pour Mme Sanson. Anne Sanson, présidente de la Commission de sécurité publique. Bonjour, bonjour. Donc, j'étais ici et voulais vous poser en honneur de vous parler à l'Assemblée de la Commission de la sécurité publique le 13 mai dernier, où j'ai posé une question à M. Parent concernant ce que j'appellerai, pour les bénéfices de la rectitude parlementaire, des sérieux incidents de manquement aux objectifs de transparence du SPVM. Parce que c'était l'essentiel de la réponse de M. Parent, de rappeler, face à bon certains cas sur lesquels je ne reviendrai pas ici, les objectifs de transparence. Et maintenant, j'ai ici avec moi le journal Le Devoir, dans lequel, juste à côté de la page sur laquelle il y avait la lettre concernant le bilan pour P6, donc sur laquelle lettre qui rejoint tout à fait votre position de l'année dernière, il y a une lettre de l'Observatoire pour les profilages racial, social et politique qui revient sur le dépôt du rapport le dépôt du rapport du SPVM. Et puis essentiellement, c'est qu'il repose la même question que je posais la dernière fois. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans le service de police quand il se comporte ainsi? Question posée. Merci beaucoup pour votre question. Ma réponse va être la même que celle que je vous ai donnée la semaine dernière et celle que le maire vient de donner tantôt. Nous avons pleinement confiance en notre service de police. Et le rapport annuel qui a été déposé, le rapport de leurs activités, je me suis engagée à déposer au prochain conseil municipal le rapport sur P6 depuis les deux dernières années. Il se peut qu'on soit d'accord, il se peut qu'on soit en désaccord, mais je peux vous dire que notre administration a pleinement confiance en Marc Parent et son équipe. Question complémentaire, M. Serrada. Et en complémentaire, puisque, bon, comme la lettre le soulève et comme des gens viennent le soulever en personne, puisqu'il y a quand même de réelles inquiétudes chez le public, il y a 8 heures, vous avez parlé à la commission qui avait l'avant de rencontre en huis clos. Il fallait la commission, bon, il y avait une certaine ouverture quand M. Lavoie est venu parler à M. Parent pour parler de jouer de la musique. Moi aussi, je suis musicien. Si moi, je peux offrir de jouer de la musique avec M. Parent aussi, si ça peut aider à faire entendre la cause, bien sûr. Donc, bon, les informations, je les ai envoyées à la commission. Là-dessus, je n'ai pas eu de retour. Ça a été aussi publié en ligne, si vous voulez retrouver ça. Donc, commande du public sur ce suivi, là, vous dites, bon, déposer un rapport. Mais est-ce qu'il y a d'autres avenues ou d'autres options qui sont possibles? Vous savez, la confiance va dans les deux sens et le respect également. La dernière rencontre que nous avons eue à la Commission de la sécurité publique s'est faite dans le respect, on peut dire un peu, et les questions n'étaient pas tout à fait partagées de part et d'autre. Donc, à la fois, là, parce que ce n'était pas un tribunal non plus. Ce que je peux vous dire, c'est que le service de police actuellement travaille beaucoup à travailler sur la confiance entre les citoyens. Et je comprends qu'un citoyen qui reçoit une contravention n'est pas tout à fait bien content d'en recevoir une. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Donc, le lien de confiance est un petit peu plus difficile. Mais pour la majorité des citoyens à Montréal, ils ont confiance aux services de police lorsqu'on parle d'assurer leur sécurité. Et lorsqu'on parle d'assurer la sécurité avec P6, il y a 2 événements cette année, je dois le rappeler, c'est 2% des manifestations cette année où la P6 a dû être utilisée parce que les participants à cette manifestation ne voulaient pas participer en donnant des informations au service de police qui est là pour assurer la sécurité des manifestants et la sécurité des citoyens qui ne manifestent pas aussi. Donc, le respect dans une société, ça va dans les deux sens. Et il n'y a pas de mal à donner un itinéraire lorsqu'on veut savoir où les gens veulent manifester dans une société qui est libre. Tout le monde peut manifester. Tout le monde peut manifester comme ils veulent. Il y a des règles à respecter et on est dans une société de droit. Merci beaucoup, M. Serrada. Bonne soirée.